Nous sommes donc de retour. Jacqueline, toujours plus vieux, toujours plus vieille, nous sommes de retour pour rejouer un mauvais tour. Et on coupe le texte. Bien. On est donc reparti, on a bien mangé. Comment Kawaii il vend la mèche? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'oublie pas le 12 juin, c'est l'anniversaire de Stal, faudra le fêter le 23. Oh le sac! Eh tête 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 tête, on vend la mèche de la dame, mais pas du monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi je ne vieillis pas, mon anniversaire n'existe pas, chaque année je l'oublie. N'empêche, il y a encore 2 semaines, j'avais oublié que c'était mon anniversaire bientôt. Bref, nous étions perdus sur une île déserte, mêlant technologie, impossibilité, fumée jaune, champ de maïs et Ouistiti qui gueule dans un coin, je sais plus c'était où. Tu veux... C'était à gauche. Tu veux C'était jouer à un petit gauche? peu ou est-ce que t'as pas joué depuis le début? Bah, je veux bien te découvrir, mais je t'avoue que j'ai un peu du mal avec le gameplay en lui-même. Alors, il y a la recherche, Oh, il y a ça des va. citrons là. Oh. Citron! Ok. Par contre, il faudra vraiment que tu m'expliques sur comment on fait pour les fusionner. C'est Parce tout que je. simple, tu les mets l'un sur l'autre. Ah, d'accord. Ça, c'est pour revenir dans la. Ok. Kazma aux commandes! C'est On est parti. parti! Ah, Moi, deuxième je prends partie de les la session. commentaires. Du coup, ouais, tu prends les commentaires. Nya. On avait cet homme qui s'est pendu et qui faisait l'équilibriste. Ah oui, mince, le singe! Comment je fais pour le singe? Je fais quoi avec le singe? Ah, il leur faut des petits cailloux. Fuyons! Fuyons, mes amis! Dans une forêt, mi-mi. Mi Quand je mi vois mi la mi taille de mi. ses griffes, je n'ai pas Pardon. envie de le rencontrer. Ah ouais, je suis pas rassuré, y a un. Je suis pas Y a un. Oh, c'est de rassuré. l'argile! C'est pas pour faire des briques, ça? J'en ai. C'est probable. Bah de l'argile, briques, à un moment tu commences à voir Ça, rien hein, c'est quand t'es des. pas trop trop C'est trop quoi bête. ce. Ça, c'est une souche. Est-ce que tu peux pas la couper avec le couteau ou. Comment ça marche? Bah, va dans ton inventaire. Va à gauche. Tu sais, j'ai trouvé tout seul mais je sais pas comment on va dans Alors. l'inventaire. C'est clic droit, c'est ça? Ouais, va sur le truc de l'inventaire de gauche là. Ouais. Et prends ton petit couteau en haut à gauche. Tout en haut à gauche. Voilà, tu le prends. Et là, tu quittes l'inventaire en appuyant sur clic droit. Voilà. Et là, t'as ton couteau à la main. Waouh! Trop de Tada! la balle! Ok, donc j'ai déplumé Un saule. un saule. J'ai du bambou de la tige mens. J'ai un bambou gros morceau. Bambou! Wata! Je katanade tout ce que je trouve. C'est terrible. C'est terrible. Attention, on ne rigole plus. Kazma est dans la piste. Bah écoute, à part l'argile, J'en ai déjà. j'ai l'impression qu'on est bien. Qu'est-ce que. Ah, Tremblement de c'est un terre. tremblement de terre, Oui, ça fait d'accord. bizarre, hein. Mais ça arrive à n'importe quel moment ou comment ça se passe? Parce que ça arrivait sans prévenir, c'était très bizarre. Non, Ah! Ouistiti! En lançant des pommes de pin, essaye voir. Ah, en lançant des pommes de pin? C'est vrai, Lunord a une bonne idée. Ah, pomme de pin. Comment je. Faut que tu poses ton couteau. Voilà. Hé, hey, toi là! Dans ta gueule! Non, ça marche pas. Dans ta. Non. Marche pas. Non. Et des petits couteaux. Oh, des petits couteaux, des petits cailloux, on en a pas sur nous. Des petits Sais couteaux. pas. On leur lance des petits couteaux. Pierre, j'ai une grosse pierre. Non? Marche pas, grosse pierre. Des petites pièces. Hé, hey, je vous donne de l'argent si vous me foutez la paix! Non? Bon. Bah écoute, on va revenir en arrière. Il y avait C'est quoi tout le de but du jeu? fessé. Bah on est sur une île déserte et Alors, c'est un point and click, c'est un jeu de survie. On incarne une dame qui est arrivée ici par situation malencontreuse et qui n'espère qu'une chose, c'est se barrer. Il se trouve que petit à petit, bah là, on s'est retrouvé au centre de l'île. On est dans une zone très carrefour où il y a beaucoup de choses. Il y a un petit peu de civilisation par là parce qu'on voit qu'il y a une ancienne ferme qui était tenue par quelqu'un ou quelqu'une. Là, il y a de la sève. Et par là-bas, on sent un peu de technologie parce qu'il y a des poteaux électriques, il y a une fumée jaune d'alerte, et d'ailleurs on n'y est pas allé, moi ça aurait été mon premier réflexe, mais tout le Tu monde a peux y voté pour aller. l'opposer. Attends, je vais y aller! Mais tant que j'y suis, je continue ton chemin et je regarde ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Non. J'ai Il te lâché mon faut le objet. Graal pour prendre l'eau. Fous-moi la paix, ton gars. Je peux aller dans l'eau, mais je suppose que c'est juste pour prendre la main. Non, elle va vouloir la prendre, je crois. Ah bon? Ah oui, mais du coup, oui, on peut pas. Bien! Fumée? Y aurait-il une maison habitée par là? Moi, C'est c'est un la plus site grande pour logique t'aider. que j'ai. Oui, mais alors, Sofiane, les sites comme ça, c'est la solution en Attends. entier. Donc, c'est-à-dire, tu Ça, c'est la réfléchis pas par mer. toi-même. Ça, c'est la Ouais. mer. Ok, donc si je vais par là, je reviens sur la plage. Bien. Donc, c'est vraiment si on est coincé, Je suis perdu. C'est par là. mais ça spoil beaucoup, quoi. Ouais, c'est un peu le problème. Non, puis je préfère avoir une certaine interaction. Où suis-je? Un souris sont morts.
Un souris Je peux sonore. pas prendre. Alors, si je me souviens bien, oui, les baies. Ah, les baies, oui, j'avais pas vu exact. Alors, petit couteau de la famille ou de la shuriken. Plante narcotique. Ah, je... D'accord. On peut pas récupérer ça. Ça, on peut pas récupérer. Ça, c'est en face. J'ai un peu du mal avec les dimensions. C'est vrai, on a ici, l'impression oui. que c'est genre des petits buissons, alors qu'en fait, c'est carrément sur la face. En face. Ah, sur le poteau. En l'occurrence, non. C'est très l'électricité. On peut rien faire avec cette souris. Je suis étonné là, j'avoue. Alors, attends. Ça, c'est le carrefour de base, ça c'est le champ, donc ça c'est le pont. Ok, mais j'ai compris la fumée, fous-moi la paix, j'ai... C'est cette source chaude qui dégage de la fumée. De la fumée jaune ? En général, c'est du soufre. Ah oui, oui, c'est plus logique. Bah attends, parce que du coup, avec la caméra qui fait n'importe quoi, j'ai tendance à me perdre un peu. Oh, y a pas des... Oh, on peut pas les prendre, les petits cailloux ? Bah non, mais il nous faut de la caillasse pour les, pour les singes. Je sais plus. Bon, écoute, on va chercher à découvrir l'univers ! Alors... tu as un bâton fourchu. Ah quand même pas. Bah écoute, moi je vais te lâcher la tête. Hein. Tu ça as un bâton fourchu. Ça cherche ton bâton fourchu. Voilà. C'est ce que t'appelles bâton fourchu. Bah ça s'appelle oui. un bâton fourchu, oui. Il fait, c'est un bâton et il fait une fourche. Ok, ok, ok. Il faut quoi, son venin? Alors là, je sais plus. je sais plus. Bah écoute, braconda, hein, reste là. C'était juste pour passer, j'en sais rien. Non, tu peux plus. Non, bah je sais pas où on peut passer à la limite. Ah, si. Sulfureuse et bouillante. Impossible de la boire, mais je pourrais m'en servir pour chauffer quelque chose au bain. Bah, je me souviens ce que tu chauffes. D'accord. Et bah écoute, on va tenter de découvrir. J'attends parce que j'ai vraiment du mal avec les repères. Attends. Donc ça c'est ça et ça, ça remène à la zone carrefour. Bien. Avec la corde et quelques notions d'alpinisme, on ne peut rien faire. Pour la corde, on n'avait pas des fibres végétales. Si, on a une quoi corde en hibiscus, mais on a une corde en fibre de coco. Je sais plus à quoi elle sert. On a un jeune palmier. Mais on de toute façon, c'est de bout de salade. C'est sûr, on peut pas monter dans la grotte du début pour l'instant, ça c'est sûr. Non mais attendez, parce que vous, tout le monde est en PLS. Moi ça va, hein. C'est juste que en fait, on a beaucoup d'objets. Beaucoup de possibilités, mais oui. finalement pas de vraie suite. Mais c'est dommage parce que l'idée de la pomme de pin dans la tête du lapin, du singe, c'était une bonne idée. Hein. Tu vises pas un peu trop bas, je sais pas. Oh. Non. Oh, je crois que je me souviens. Alors, il faut que tu fasses une arme. Une arme ? Oui. Un genre de lance-pomme de pin. C'est l'idée ? Un genre de lance-pierre. Les pommes de pin te servent à rien. Ah, attends. Me demande si on peut pas... T'avais parlé d'une arme au début et en fait, c'est ça que tu dois faire, si je me souviens bien. Une lance? Non. T'avais parlé d'une autre arme. Un shuriken? Non. Un bazooka? Un lance-lame? J'ai parlé d'un lance-lame au début, non? Quoi? Non. Non, je rigole. Une canne à pêche? Un lance-pierre? Stella aime spoilation sur Undertale. Comment je peux spoiler sur un jeu que je connais pas? Non, ça j'avoue que moi on comprend pas non plus là. À condition de les couper très haut pour... pour pas perdre la hauteur. Je suppose qu'on aura besoin de notre ami macaque. C'est cassé. Oui, merci. C'est cassé. Le mec m'a bleu. C'est cassé. Alors, c'est vrai que... je suis peut-être la seule, mais je trouve que les voix sont très bien faites. Enfin, je veux dire, les enregistrements nous-mêmes, ça va, mais non, je suis d'accord. C'est pas choquant. Des fois, il y a des doublages sur des jeux d'époque, surtout cette époque-là, où ils ont un peu de mal à la prononciation. Mais non, ça va. Honnêtement, ça va. Mais moi, je suis coincé que c'est Wistiti parce que je suis sûr que quelque part, on a moyen de savoir quoi faire. Comment tu sais les crafts? Comment tu déclenches un craft? Eh ben, il faut que tu... Alors, comment tu déclenches... Voilà, tu comme ça. Mets l'un sur l'autre. Ensuite, il faut que tu mettes sur les petits points d'interrogation. D'accord, donc maintenant, je dois trouver ce qui manque. Voilà. Et, alors, tu peux faire défiler, là. Ouais, c'est les crafts déjà existants? Voilà, les crafts que t'as déverrouillés. Ok, alors attends, qu'est-ce qui pourrait me manquer? Mais je vais faire une quête à huîtres, hein. Je vais prendre des huîtres et je vais leur éclater à la figure. Des quêtes à huîtres! Des oranges! Des cataranges! Des cataranges. Un chiffon sale! Quoi. Cherche sur internet. Mais non! Ah non! Ah non! On cherchera pas sur internet! Oh! C'est une canne à pêche! Oui, c'est une canne à pêche! Bah oui, mais ça me fait un craft tout neuf, c'est idiot! Mince, parce que attends, j'ai créé la canne à pêche moi! D'accord. Bien!
Ah, puis maintenant faut tour dispo. Ah, auto. Merci. What? Ah, attends, j'avais des trucs là-dedans. Oh. Oh, écorce de saule. Moelle de quoi? De sureau? Oui. Oui. Ah bon? Ah, mais moi je dis ça comme ça, hein. Donc, d'après l'ingénieur Stahl, on essaye de faire une serbacane. Mais comment tu fais une serbacane? Ça, c'est une très bonne question. Attends, parce qu'il y a un truc qui me perturbe. C'est ces espèces de ouistiti qui m'empêchent de réfléchir. Voilà. Arrêtez de crier! Soyez gentil. T'es sûr que c'est ça? Si je me souviens bien. Et essaye sur ton couteau. Ça, je m'en souvenais pas. Sur mon couteau? Tu veux faire une serbe à couteau? Non, pour enlever les feuilles, je sais pas. Ça. Ah, c'est pas bête. Alors, attends, parce que j'ai beaucoup de mal avec les crafts. Je prends ça. La lame avec la corde, on se la joue Castlevania. Il faudra qu'on se le fasse Castlevania en live. J'ai jamais joué au jeu, mais alors l'ambiance, l'univers, j'ai vraiment envie d'y tester. Mais quoi? Mais spoilez pas. Pourquoi ça dit quoi? Non, non, je veux pas savoir, en fait, je veux pas savoir. Je suis même pas sûr que ça marche en plus, question... parce que si je me souviens bien, oui, je... pour celui qui a dit ça, on peut faire chauffer que dans le four. Ce qu'il a dit j'ai utilisé la lame sur le bambou, ça marche pas. Ah bah je sais pas alors. D'accord. Ok, donc là on a un craft déjà qui existe quelque part, on peut faire un truc avec ça. On peut... Attends, mais ça ressemble à des huîtres ça, c'est terrible. Qu'est-ce que... Je vais faire un bazooka à citron. Question, est-ce qu'on est obligé de mettre sur le point d'interrogation ou est-ce qu'il détecte auto? Comment ça? Bah, est-ce que je dois mettre la position en elle-même ou est-ce que j'ai juste à mettre... Non. Je suis en train de me faire une petite salade de fruits. Mais le petit moucheron, là. Vous m'en direz des nouvelles. Oh, tada. Quoi? Qui? Quoi? C'est ingénieux, là. C'est la soirée craft, on construit des choses. Ouais, Stan nous a fait un petit support pour les commentaires, là, parce que j'avoue que même moi, j'arrivais pas à les voir. Oh, là, on est luxueux. Attends, parce que du coup, avec ton bras, je vois rien. On est très, très, très luxueux. Bon. Bah écoute, je veux pas te mentir, mon bazooka à citron, ça avance pas bien. Là, je suis un peu coincé. Ouais. Est-ce que par hasard, on peut pas tailler ça? Par contre, ça fait un joli bruit. Ah, non mais les bruitages, moi c'est quand tu prends quelque chose que j'adore. Ah mais toi, t'es une psychopathe. Attends, j'ai créé un briquet. Je sais pas si on a besoin. Je suis pas sûr. Ah là, on est dans la partie un peu blocus du game. Un bazooka citron. Ah, j'avoue, les casemas, là, je serais pas contre un petit peu d'aide. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, effectivement, on peut mettre l'argile dans le moule. Mais, il faut le faire chauffer. Ah mais on n'a pas la source d'eau chaude. Alors, essaye, mais d'après moi, ça marche pas parce qu'il n'y a qu'un seul endroit où on peut non, faire chauffer même, non, c'est pas logique en lui-même de faire ça, mais... On peut toujours essayer. Ah, sans le mérite. Qu'est-ce que... T'as plus de place. Je les jette dedans. Peut-être qu'avec une corde, comme ça, je peux les tenir. Ah, attends. Attends. Bah, c'est pas le jeu du pif au niveau des crafts. En fait, les crafts sont logiques. Oui, c'est... ils sont logiques, mais le problème, c'est qu'en termes de cerveau humain, t'as pas la logique même chauffer. De... Oh, arrête, tu mets 3 briques et ça tient. Non. Non. Non, ça marche pas. Ce n'est qu'un au revoir. Bon, je suppose qu'il faut qu'on accède à la zone derrière les... J'allais dire les cochons, derrière les... Oui. Les singes. À quoi tu sers, toi, bestiaux? Oh. Oh, il y a une araignée. Non. La violence. Oh, le clou.
Attends, je cherche mon couteau, c'est pas mieux, hein. Je peux pas te shurikener? Ah, qu'est-ce... C'est de la... Ah, c'est du caoutchouc. La colle? Ah, mais voilà! Ça sert au craft bazooka? Oui. Ouais, mais ça m'aide pas, hein, parce qu'il me manque toujours des éléments. Qu'est-ce que... Ah, mais mince. Alors, est-ce que ça sert dans mon bazooka? Merde! Non, tu vois, mon bazooka, ça l'aide pas, hein. Ah, non, alors ça, tu t'en auras pas besoin tout de suite, je viens de comprendre ce que c'était le craft. Bon, bah écoute, j'ai pas l'impression que le caoutchouc serve à quelque chose pour le moment. Mais moi, c'était pas ça que je voulais, c'était l'araignée. Ah, mais on s'en fout de l'araignée en fait. Moi, je voulais l'araignée. Je voulais manger, j'ai encore faim, je veux mon dessert. Oh! Plante maltaite. Récupère beaucoup de plantes aussi. Hein. La logique du casse. Il voit le serpent, il voit la fontaine. Il prend le serpent, il Oh le jette dedans. non. Qu'est-ce que. Tige mince. Mais mince. C'est Bon, jeu de mots un peu débile, mais. Non, mais mince, parce que. T'as une idée au fait ou pas? Mais moi je sais qu'il faut que tu fasses une sarbacane, mais je sais plus comment. Attention les casemins, on cherche le craft de la sarbacane utilisant du caoutchouc, des briques, un citron et un cadavre de porc-épic. Vous avez 2 heures. Si je me souvenais de tous les crafts, ce serait pas drôle, hein. Non, puis non, pff, Mais enfin. c'est bien, tu vois, je me souviens de ce qu'il faut faire, donc je peux t'aider à avancer, mais je sais pas comment. C'est dommage, j'aime bien l'univers, mais c'est vrai que. Enfin, comment dire, savoir que tu connais un peu le jeu, c'est un peu dommage. Enfin, en même temps, voilà, tu sais un peu ce qu'il faut faire, mais tu sais pas comment le faire. Mais cet écouteur ne tient pas. Elle m'a piqué la souris des mains, wesh! Que ça me stresse. Non, pas ça. Non, dégage! Putain, j'ai mis Quoi, les tu veux doigts. refaire mon bazooka citron? Non! Tu sais, si tu voulais essayer, tu pouvais le faire depuis longtemps. Mais Hein. non, il... Ah, mais t'as trouvé le truc en plus? Pas ce que je voulais. Les gens, comment on fait une sarbacane? Comment on fait un bazooka à citron avec un porc-épic? Rebonjour aux personnes qui reviennent! Faut se creuser les méninges. Mais c'est ce qu'on fait, mais on n'est pas sur 145 de QI, on n'est pas intelligent, nous! Oh! Eh! Oh, et Vous êtes sur un. TV Kazma, là, faut pas déconner! Rrr. Kazma, il est pas malin, c'est bien connu, c'est bien pour ça qu'il vous demande toujours de l'aide. Parce que sans vous, il est rien. Kazma, soyez gentil, faites un don de bazooka à citron, de sarbacane, de U-Tunes. Vous pouvez faire des dons en bas pour une association. Une carotte, un Kazma heureux. Un bazooka à citron aussi, hein, on peut s'arranger. C'est quoi les objectifs? On a des objectifs? Non, Tu veux faire la voix? c'est l'histoire en fait. Tu veux lire ou. Ouais, on en est Non, là c'est quoi. plus ou moins ce qu'elle a dit depuis tout à Ouais, l'heure en voilà. fait. Non, bah c'est bon alors. Là, Petite je vois croix en pas la bas. petite croix. Et le petit clic à droite, c'est bon ou pas? Enfin, ça marche pas? Re, j'ai raté quoi? Bah t'as raté pas grand chose. Je sais pas depuis quand t'es parti, Ouais. mais t'as pas raté grand chose. Parce que non, il faut être assez haut pour couper la liane. On est toujours coincé avec pour objectif de faire un bazooka à citron. Non, on serait pas contre un peu d'aide si jamais. Là, ça commence à être un peu le blanc. Retourne à la limite dans la zone voilà d'argile. Là, je vais t'oublier un truc. Hein. Me semble pas, mais. Ça, tu l'as pris. Enfin, c'était à prendre, ça. Bah, il y avait un truc devant, mais je l'ai pris. J'en ai déjà. Bah, J'en vu ai que déjà. tu l'as Oh, taillé, oui. tu peux en refaire. Kazma, Avec tu du m'envoies ton bois. adresse et je te donne une carotte. Avec du bois. Ferme les yeux quand le singe crie. Avec du Et bois. on avance en courant, sans regarder. De quoi? Ils disent avec du bois, mais tout ce que je sais, c'est que ça, c'est les projectiles. Ah bon? Ah, c'est pour ça que ça fait des petites babales.
Désolé pour le bruit, hein. Je sais que c'est... Pour faire un bazooka, il faut du citron, vous le mettrez dans le bazooka et vous achetez des roquettes, pas du citron. Après, ça peut être des obus parfumés. Génial. Kazma, je te le dis, t'es intelligent. Non. Non. Tu veux que je cherche la solution. Moi, je te le dis, c'est pas vrai. Alors, juste pour... Je veux bien la solution, mais juste pour faire la sarbacane. Tout le reste... Ah non, pas de solution de fou. On veut pouvoir au moins faire travailler un peu les méninges. Tout le reste, kawaii, tu vires. Hein. Juste la sarbacane. Je trouve ça dommage. Non, moi, je veux juste savoir plus ou moins comment on fait la sarbacane. Parce qu'on peut avancer, mais... Enfin, on peut avancer. On peut au moins essayer de faire quelque chose, mais... Mais c'est Wistiti nous bloque. Rien d'autre ici. Il y a un serpent. Oh, tu peux. Oui, je peux reprendre le bâton. Et si mais le bâton il servait? Pour moi il sert. Hein. Parce que c'était ça tout à l'heure que je voulais faire, c'était le reprendre pour le tester sur la sarbacane. T'as allé? Oui, c'est le pont. Enfin, le non-pont, le pont qui est pas là. Oui. Fais voir un peu. Oui. Parce que pour moi, je suis sûr que ce bâton. Pardon, c'était pas une sarbacane. C'est ce que je voulais faire. J'y crois pas, mais j'y... C'est pas grave. Ce qui est terrible, jeune gens, ce qui est terrible, c'est que ça, la solution, je l'avais depuis 20 minutes. Mais elle connaît le jeu, du coup, moi, je fais confiance, tu vois. Oui, bah écoute, ça fait longtemps, hein, je m'en souviens pas. Hey, Wisty Moche. Oh là là. Oh, ils ont des barres de vie. Oui. Désolé, je me cache. C'est pas grave, t'inquiète. Ça va, ça arrive, c'est bon. Oui, même au meilleur. Bon, toi en l'occurrence, ça t'arrive tout le temps pas, et t'es pas les meilleurs. J'ai pas joué au jeu, ça va. Par contre, attends, ils ont des grosses barres de vie qui remontent en plus. Je sais pas si tu les descends jusqu'en bas. Ah, je sais pas, mais faut viser précis, hein, c'est pas évident. Enfin. Ça va en fait si tu prends le temps, mais. T'es un peu nul. Chut. Tu veux un arc? Tu veux. Bah, je m'en sortirais mieux avec un arc. Des fois ils font pas houhou, enfin ils s'agitent pas, du coup je sais pas si c'est bon ou pas. Eh, méchant! Allez. On va les avoir. D'accord. Je sais pas viser, c'est pas grave. Je rate quand même 3-4 tirs hein, de suite, c'est chaud. Oh, tu descends bien quand même. Hein. Ouais, mais je suis mauvais. Hein. Normalement, on devrait déjà avoir fini. Parce que je suis mauvais. Allez, on y croit. On va tomber sur le roi singe. Mais shoot qu'une fois sur un singe, parce que tu shootes deux oui, fois. Oui, je sais, mais j'ai tendance à shooter deux fois, mais je le fais pas exprès. Parce que, en soi, j'ai compris hein, qu'une fois il se barre, hein, mais... Oui, c'est la victoire. Ça devait être le roi singe. Il y avait un tatouage avec une banane royale. Oui, En avant vers la technologie. Suis un ennemi. Je suis donc un Kazma au pouvoir grandiose qui vient d'éliminer l'armée des singes. Et actuellement, je cherche Balou pour recréer le livre de la jungle. Ah, tu vois, c'était un moulin. Enfin oui, du coup, tu m'avais pas dit que c'était pas un moulin, mais... En fait, t'avais rien dit, je crois. Fourche en métal, très bien. Oh, pièce de cuivre. Une inscription gravée à l'intérieur du coffre. On dirait un poème. Tu veux le lire ou je le lis? Vas-y. Près du lac, tu as découvert le métal rouge terni de vert. Le métal blanc est enterré sur le rivage de l'eau salée, entre la forêt nourricière et l'arche ouverte sous la pierre. Dur à dire cette phrase. Du coup, tu as compris que c'est le trésor qu'on a trouvé au début. Ah bon? Moi, j'avais compris qu'en fait, tout ça, c'était des composants qui serviraient à faire des crafts. Parce que je vois près du lac, tu as découvert le métal rouge terni de vert, donc ça devait être l'argile. Non, c'est... Non, l'argile, c'est pas du métal. Ah, le oui, métal peut-être. Rouge terni de vert, c'est ce que t'as trouvé dans ce coffre-là, c'est du cuivre. Ah! C'est intelligent, ça! Et du coup, il disait, entre la forêt nourricière et l'arche, je sais plus quoi, là, l'arche ouverte sous la pierre, donc l'arche du début, là, où il y avait les huîtres et le poisson,
Et la forêt noisière, ah, oui. C'est oh la forêt de palmiers. Et donc, il y avait le coffre enfoui. Et on l'a trouvé, le coffre. Oui. D'accord, ok. Bon, bah, on est des chasseurs de trésors balèzes. Très, très balèzes. On a une fourche en bois. Vous êtes où? C'est pas ton décor de base. Bon, on est chez moi. Voilà. Oui, c'est pour ça que, du coup, toutes les prochaines vidéos seront sur un décor un peu différent, parce que je ne suis pas chez moi. Et c'est pareil pour Paper Mario, et je préviens tout de suite, parce que la suite arrive très bientôt. Mais oui, du coup, les prochains épisodes seront tournés avec ce décor-là. Parce que je suis là pour un moment. Ah, d'accord. Il faudrait être un singe pour grimper là-haut. Encore cette histoire de singe. Oh, ok. Il faudra faire quelque chose ici pour la suite. Moi, je visite. Hein. Je vous dis, bah là, hein. Enfin, je me doute que... Ah, oh, que ça fait mal. Ça m'a fait peur. Tu t'en rappelais? Non. D'accord. Non, en vrai, ça m'a fait flipper. Oh, j'avais pas vu. Il m'a fait peur, lui aussi. Hey Kiki, t'es pas lâché un citron, non? Ne viens pas chercher mon cadeau. Bah l'air de rien, mon orange lui plaît. Oh attends, on peut pas. Bah je lance l'orange, on n'en parle plus. Oui. Bah moi ça me paraît logique. Bon alors attends, parce qu'il y avait plein de trucs à faire ici, prix rondi. Alors ça doit être pour faire du bois. Du bois, du feu là-dessous, un truc comme ça. Ça doit être un genre de souffleuse, je suppose. C'est ça. Ça ressemble à une soufflette, ouais. Comme dans les anciennes forges. On va se faire une pizza royale. C'est moi qui vous le dis. Oh. Celui-là n'a pas l'air agressif. Il semble plutôt mal en point. Par contre, il a une tronche de cul. Tu es blessé. Ah bah, il s'est pris une chaussure. Ou alors, je crois que c'est peut-être lui que j'ai visé en dernier. Oh, faut le nourrir? Ouais. Ce sera Jep. Oh! Je vais prendre soin de toi. Jep le singe! Trop bien! Le plus important, c'est d'appliquer un pansement propre sur ta blessure. Une pizza au singe. Oh, bah non, une pizza à la banane! Attention. Moule à briques. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus l'autre d'ailleurs. Comment c'est sûr que j'ai plus l'autre? Mais si, t'as l'autre. Non. Je l'ai perdu tout à l'heure. Comment ça, tu l'as perdu? Bah, en faisant les briques, j'ai perdu le moule à briques. Oui, ah oui. Oui, je sais pas pourquoi. Moi aussi, ça m'étonne. J'avais pas fait gaffe, tu vois. Je pensais que tu l'as. Oui, moi aussi. Je pensais au moins que ça ferait des planches et que je pourrais reconstruire. Alors, attends. Est-ce que je peux nourrir ce singe? Jep est trop malade pour... D'accord. Alors, donc, je dois déjà le cicatriser, j'ai bien compris, c'est ça? C'est le craft que tu as commencé tout à l'heure. Avec du citron? Oui. D'accord. Voilà. Donc, il y avait besoin de pièces. C'est un singe qui aime l'argent. Et si tu lis bien les descriptions des objets, tu devrais trouver. Si tu lis bien les lignes, tu devrais... Non, je l'ai lu tout à l'heure, enfin je suis passé dessus. Je suis pas sûr que ce soit ça. Si je lis bien, tu m'as dit quoi? Je suis pas sûr que ce soit ça. Ça doit pas faire ce que je pense. Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer? Un bazooka au citron. Ah, moi je tiens mon bazooka au citron. Hein. Bah écoute, non, je suis pas convaincu que ce soit le craft que tu penses. Enfin, je sais pas du tout. Si, tu dois penser à un genre de. Oui! Un genre de craft de soins, quoi. De bandage, ouais. De cicatrisation, un truc comme ça. Ouais, totalement, mais oui. Fait mal. Désolé. Oui, mais ton coup de pointu. Ah oui, pardon, là. pardon. Ça va. Oui, alors du coup, t'as de l'argile. Ça souffle. Et t'as un truc qui tourne, là. Un tour à poterie. Attends, tu veux... Je vais fabriquer un pot. Allez, essaye. Ça se fonctionne tout seul ou... Non, en fait, tu le fais toi, mais... Un lance-patate version citron. Attends une minute. Un bas citron. J'aime bien. Du coup, il faut... Avant de te servir de tout ce que t'as fait en poterie, il faut les cuire. Dans le four. Donc je suppose que là, il faut utiliser ça. Je sais pas comment... ah bah, il faut que tu refasses un feu, alors de plusieurs combinaisons possibles. Je sais plus. Alors... Non, c'était pas ça, c'était pas ça. Mince, je savais qu'il y avait besoin de ça.
Mamadou, non. C'est toi la Mamadou. Non mais il est... Oh. Voilà, il manque la Mamadou. C'est pas la... Si. Ah si, c'est le craft que j'ai fait la dernière fois. Ok. Oh. C'est un bon endroit. Faut la durcir, ah, mais... Kawaii. Feu. C'est cassé. Avec les briques. Alors attendez, on a un feu, là on commence à être bien, la boulangerie ouvre demain, vous inquiétez pas, c'est là on est sur quelque chose. On est sur quelque chose, moi j'aime bien là, ça commence à être un peu plus crafting, un peu plus aventure, un peu plus role-playing, j'aime bien. Je les fous directement dedans. La température n'est pas assez élevée. Mais parce qu'il faudrait le fermer le four, non? La température. Faut montrer le bon exemple au public. Ah bah c'est pas moi qui l'ai dit. Oh attends. Hein. Faut pas faire balancier. Ouais, mais moi ça me paraissait logique de mettre l'autre pierre là. Honnêtement, je sais plus comment ça marche. Oui, t'inquiète, hein, c'est pas grave, on va se débrouiller. Mais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter le feu?